Population du Kénédougou, mesdames et messieurs, bienvenue sur cette dieuse, âgée d'histoire, de légende, de mythe, signe, pour être précis, Sikasso, terre de brassage, ville cosmopolite, melting pot, poumon agro-sipo pastoral, Kénédougou, terre de lumière, galaxie des héros en paix, de la dynastie des Traoré, Mansa Daoura, Djéba Traoré, Babemba, Momo Traoré et de ses alliés, Perté, Sanogo, Djamoutene, j'en oublie volontiers. Héros qui ont écrit avec leur sang une des plus belles pages de l'histoire de l'Afrique. L'écho des paroles de ces héros. De ces héros résonnent encore dans les vieilles murailles de Sikasso. On ne chante pas le temps et les chiffres, mais les personnes qui font l'histoire. Bienvenue à vous pour être non seulement témoin de cet événement unique en son genre, mais aussi pour paraffer votre adhésion à la cause du développement placée sous le triptyque social, culturel et environnemental. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, il y a de cela quelques mois, 6 mois environ, en novembre 2020, se tenait sur les berges du Djoliba, la place du Cinquantenaire, à Bamako, la première édition du festival Nanyaki, dont le thème était le village à la recherche de ses enfants. Cette édition reste encore gravée en lettres d'or dans nos mémoires. Le son ensorcelaire du balafon, les sonorités envoûtantes du tchitchara, les voix suaves des artistes s'il faut, ont fait chavirer nos cœurs dans l'océan de l'allégresse. Au rythme de la polyphonie musicale, des cercles de danseurs se sont formés, tournant devant les musiciens, leur pas suivant une cadence endiablée. Les jeux de jambes et les déhanchements se faisaient à des rythmes de plus en plus effrénés. Et les cercles semblaient se mouvoir en glissant, parfois pris dans une trace. L'un ou l'autre se jetait au centre, se lançant dans des pas acrobatiques et donnait une interprétation personnelle de ces enchaînements traditionnels. C'est dans une telle ferveur qu'est née l'étoile promise, l'enfant Nanyaki avec une aura indescriptible, dans une euphorie totale, en présence de tous les fils du terroir, au rythme du balafon, un instrument légendaire de communion et de divertissement. L'enfant est né dans la cité de Caïmans, mais il fera ses premiers pas à Sikasso. Il marchera et grandira sur la terre des éléphants, la cité verdoyante, et il étalera ses branches en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et au Bénin. Mesdames et messieurs, le Nanyaki, selon l'appellation vernaculaire s'il faut, signifie le spécimen d'art dans lequel sont taillées les lames du balafon. Chaque lame du balafon a un nom et une fonction spécifique. La combinaison des sons produits par chaque lame le balafon crée une mélodie harmonieuse, tout comme les lames du balafon. Unis et inséparables, le festival Nanyaki prône le message de la fraternité, de l'intégration, du vivre ensemble, de la résilience contre l'extrémisme violent. Je voudrais adresser à cet égard une mention spéciale aux initiateurs du festival pour leur ingéniosité et l'originalité de l'événement. Mesdames et messieurs, cette année, la terre de nos ancêtres abrite la 2e édition et définitivement les éditions prochaines afin que la culture du Mali, de la communauté Senufo du Mali, du Burkina Faso, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin brille de mille feux, rayonne de toute sa splendeur. Chaque pays participant représente une des 5 portes du Tata matérialisé à travers la ville de Sikasso. Les notables vous donneront les mots de passe, les cordes, les clés pour déverrouiller, décoder culturellement les 5 portes du Tata. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, à travers ce thème,
Les organisateurs du festival vous proposent les savoirs et les savoir-faire ancestraux de la communauté Sinfo, les trésors humains vivants ou les détenteurs de ce fabuleux patrimoine culturel. Il s'agit bien entendu des artistes, des artisans, des traditrapeutes. J'en oublie volontiers. Le festival Nanyaki se veut donc un terreau propice de sauvegarde, de valorisation et de diffusion de cette richesse culturelle et un pôle qui fédère les communautés sur le sol du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana. Je vous remercie de votre aimable attention.